Alors on va faire le Shaar Shlishi, le troisième portique du Etzraïm. Donc on commence et on va essayer de le finir maintenant d'une traite. Mahadura Batra, Seder Atsilut Bekitsur Mouflak, les Moré Noirs Apprennent Vita. C'est comme ça que s'appelle ce Shaar. Ça va être en fait encore un résumé en quelque sorte de toute la Hishtashelut de Olamot, tout l'enchaînement des mondes depuis. Depuis le Ensof jusqu'au Lama Asiya, en fait. Perek Aleph, Rishona, Kol a Ensof Baruch Hu Makif et Kol a Olamois. Bon, après le Tzimtzum, le Ensof, le Or Ensof, ou le Ensof Baruch Hu, entoure tous les mondes. Vegam ou Mukaf Me'em. Mais il est aussi entouré par tous les mondes par le biais du Kav. Puisque c'est le Ensof, il est aussi dans le rayon. Et autour du rayon, bah, se structurent tous les mondes. Donc il est à la fois autour du cercle et à la fois à l'intérieur du rayon. Mitlabesh, Betocham, Atsof, Olam, Atsilut. Et le cave, il descend jusqu'au bout de Atsilut. Le Tzemar, il dit, Aïnou, Akava, Yosher, Animchar, Mina, Ensof, Letore, Goulim. C'est bien celui-là dont on parle. Donc, c'est celui qui vient et qui descend à l'intérieur des cercles, à l'intérieur de droite. Veno nogea vedavuk zulati ba'oila ma'atsilut levad. Mais ce cave, il descend que dans jusqu'au niveau de Atsilut. Il ne descend pas plus bas. Velo bebiya. Ouais. Ça contredit ce qu'on a vu plus haut. Regarde la Haga de Hagaot Biyurim Bet, Aïn Leil Drush Igulim Veyosher, Anaf Dalet, ce qu'on a vu dans le premier Shaar, le quatrième chapitre, on avait vu, Diboratrim Veine de Akav Nimsha Atrilat Karkait Igule Atik. Là-bas, on a vu que ça descendait jusque dans la partie inférieure des cercles de Atik Yomin. Donc ça descend en dessous du Olam Atsilut. Puisque d'accord, dans le cave, ça descend, il y a Atsilut, ensuite il y a Bria, Yetzira, Asiya. Ouais, il y a une espèce vide en quelque sorte, puis après il y a les cercles inférieurs. D'accord, dans la partie inférieure du cercle. Donc, a priori, ça avait l'air de traverser, même si on voit cette vision-là. Ça avait l'air de traverser le cave. Pourquoi dans l'autre, tu vois, l'autre du cercle, c'est l'autre. Oui, mais quand on te dit que ça... Mais forcément, il est allé au Lamot de Bria et Serassia qui sont sur le chemin. Or, ici, on voit que ça descend jusqu'au carca de Atsilut, et jusqu'au plancher d'Atsilut, et ensuite... normalement, bon... Alors ça, c'est... Il te dit... Vetsaririyun. Ouais. Il y a un tsaréion là-dessus, c'est une question qui a été grandement débattue. Deuxième question qui est posée ici par le Shemen Sasson, il dit Einchar Tikkun Peregimel, Ven Tema Dele Kaman. Kataf de Akbaim de Ak. Là-bas, on voit que les pieds de Adam Kadmon, Mitlavjin Beyut Sfirot de Asiya. On voit que Ak, on l'avait vu un tout petit peu déjà, Ak, il descend quelque part en dessous, il traverse en quelque sorte, c'est l'outil, il descend même jusque Olam Asiya. Nimsa de Magia ad Asiya. Donc, Adam Kadmon, il descend jusqu'à Asiya. Or, il a le cave en lui. Donc si le cave il est dans Adam Kadmon, le cave il vient jusqu'au niveau de Asiya aussi. Frenelin Beshar Egulim Perek Dalet, Katav, Ragle Ak, Nitpashtu, Atratse Egulin, Atikyomin. Et voilà aussi, il ramène la même référence que celle qu'on a vue dans les Agat ou Biurim. C'est-à-dire dans le premier portique, on a vu, chapitre 4, que
ça descend effectivement jusque dans les partie inférieure du cercle de Atik Yomin, Mitzad Mata, Nimsa, des Nokev, Over, Kolarba, Olamot, Abiya, donc ça traverse vraiment les quatre mondes de Abiya, Aligoul et Atik Yomin, on a ramené deux références pour dire ça. Les Yeshloma, Kemoshe Katouf, Besefer, Orzaroua, Ve'arav, Chazde David, Beot Dalet, des Ad Atsilut, Aya Ensof, Bebechinat Atsmuto. Comment ils répondent là-bas, le Orzaroua ou le Chazde David? Ils disent que quand on dit que ça descend jusqu'à Atzilut, ça descend Bebechnat Atzmut. Aval Misha Moulmata Nimsha Aerato Velo Atzmuto. On parle encore du cave après, mais ce n'est pas vraiment le cave. C'est le rayonnement du cave. C'est la Aera du cave. Vekolze Lefipchat. Mais malgré ça, c'est Kapipchat. Veyesh Makshim Kan De Alo Ragle Ak Mbe Goulim Atik Yomin. Mitzad Mata Karov El Ainsof Asovev. Bon, cette parenthèse, on va laisser. Mais tout ça, c'est rien que le Pshat Ainyan, en tout cas. Upnimiut Inyanze Katavti Beruka Leil Shar Alef. En réalité, on peut les regarder, ce Yun dans le Shemen Sasson. Misham Tavin Etev. Une Torah Tracham. Le Torah Tracham, c'est souvent celui qui permet de conclure. Et après, je te dirai un passage du Rambam. Dieu. Vezalim b'inyan machatzav ha'olamot, et ma shekatuv b'shar hakdamot, shechut ha'insof amitlabesh toch ak, atsof raglav, veragle ak, magim atriat. Atarti tigule atik, ubokim adi koligue abiya veovrim betocham. La fameuse question, ça descend jusque au cercle d'Atik, à la partie inférieure des cercles d'Atik, donc ça traverse abiya. Imken, erizda ki yoto inamasia ne chasbek ve ak, ki moshikatuf besharat silut. Donc maintenant, comment on peut dire que le olamasia il est au niveau des pieds de ak, puisqu'en fait c'est beaucoup plus. Qui descend plus bas. Vega Mashikatu Bemavosharim, Shamati Morizan, qui makom biya, ou achore elu aigulim, shelanekudim, shiumamash. Donc en réalité, on a plusieurs questions. On a une première question, c'est de dire, toi tu viens de dire si ça descend jusqu'à Atsil. Dans un autre endroit, on voit que le cave qui est dans Adam Kadmon, Adam Kadmon il descend jusqu'au niveau de Asiya. Dans un autre endroit, on voit qu'il descend beaucoup plus bas qu'Assia, puisqu'il descend carrément jusque dans les goulets de Hak, de Hatik. Vega Mashkatu Bemavo Sharim, autre question. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Nire la Ninu de Hati, Shamatim Morizal, qui makom biya, ou achore elu aigulim, shel anekudim, shu mamash, makom shel, bechinat chatsio, ou chez Allah. Donc en réalité, là-bas, c'est encore autre chose. C'est que Biya, ils sont Keneged, bon, Betsada Choraim, ils sont Keneged, Olamanekudim. Mais qu'en irait les faire, qui va comme Biya, ou les Mata, et là-bas, ça a l'air d'être au-dessus, et ici, ça a l'air d'être en dessous. Vinyar Betsarayun, donc c'est encore une Pusha. Il va ramener plein d'endroits, en réalité, on voit que c'est un peu différent. Et, c'est marqué aussi dans Sharak Damot, Beder Shakla Vetaya, Shemakom Biya, ou Beovi, Igularir, Veragle Hak. C'est encore autre chose. C'est au niveau des. Maintenant, c'est. Pardon, c'est au niveau des Igule Harir. On l'avait déjà vu plus ou moins. D'accord. Et les règles Hak, Yordim, Sham, Bemdim, Atkaneshono. C'est encore un autre guédeur. Ça ne descend pas jusqu'à Atik, ça descend jusqu'à Harir. On avait déjà vu cette contradiction. Voilà. Mais les cadavres, Char, même Dalet, Char, Hashemot, Perekalev, Veviu, Mori, Aram, Zal, Beagdama, Vezeleshone, qui, Mikor, Yutsurat, Datsivut, Mikoram, Veiratam, Achazaka, Yatsu, Tartem, Yutsurat, Debria.
Nirklakim gam em les chamisha partsufim. Donc en dessous de Hatzilut, Tchabria. Tu prends le Torah Tracham, je ne sais pas si tu peux le trouver. Bon, ok. Je vais pas te le donner maintenant. Ouais. Ve les yud bet partsufim pratim qui em chotem ayud surot de Hatzilut dougmatam mamash bechol prater. C'est intéressant, là-bas c'est marqué en Sharak Agdamot, comment sont produites les séphirotes les unes à partir des autres, comment les 10 séphirotes de Yetzilut elles produisent les 10 séphirotes de Bria, et après les 10 séphirotes de Bria font celles de Yetzira, etc. Tugmat a yud séphirot de Bria, mamash, bechol prateem, vechen mikor a yud séphirot de Yetzira, yatsu trilatam, tarteem, yud séphirot de Asiya, tugmat a yud séphirot de Yetzira, bechol prateem, vechol elu a séphirot mitrilat a yud séphirot de Yetzilut, atsof a yud séphirot de Asiya, kul am, em elokut, verdut gamur kan neshono. Et là-bas, le principe, c'est que ce n'est pas des briotes, c'est mamash, même quand on est dans Bia, c'est une bechina de Elokut. Ve kataf bechar mem zain, char seder abia, ki kol oilam kalul, meabia a incham. Et dans tout, il y a toujours abia. Imken, kishem shi yatsu, miko, eratam, chazaka, yatsu, arba, oilamos, klulim, ze, tor, tachadze, be yosher. Karayam e bechina tigulim. Et ce n'est pas simplement dans le yosher qu'on dit ça, mais c'est même dans les igulim. Ki bechina te igulim, ratselomar, gvurot shem ben, ce qu'on appelle le nian de igul, on a vu, c'est le nian de nukva. C'est l'union de Gvorod, c'est l'union de Shemben, qui est Moshe Katou Béchar Agdamod, Bedrouch Adat, Vezeleshono, Vechen, Vechen, donc ça aussi c'est très important ce Drouch Adat, Vezeleshono, Vechen Alderze, Ayud Suros de Igulim, M. Gvorod Adkaneshono, là-bas il dit que c'est simplement des Gvorod, donc ça c'est juste une parenthèse, ou Mikoar Eiratam, Akhazaka, Shel Ayud Suros de Igulim de Hatzilut, Akolelim Abia de Hatzilut, Yatsu Ayud Suros de Igulim de Bria, Utachiem Mamash, Kemon Beyosher, Vechen, Alderze, Beetzira, Beassia, Imken, Mash. Donc, on voit cette production de Sfirot de monde en monde, et on retrouve cette notion de monde en monde de partout. Imken, Mash et Diber Arav Zal, Bedrouche Igulim, Diber Beigulim de Abia de Hatzilut, Aval Beigulim de Abia de Bia, Emtartem, Aval Igule Ak. Alors en vérité, ce qu'on a dit ici, c'est quand on dit que ça descend jusqu'à Hatzilut, c'est en fait ça descend, ou quand on dit que ça, pardon, que ça descend jusqu'à Asiya, en fait c'est ça descend jusqu'à Asiya de Hatzilut, jusqu'à Abiya de Hatzilut. Aval igulé ak de Hatzilut, lo otsi tartem biya de igulim mipne sheragle ayosher shelo shebetocham aensof lo igiya adiguli adigulav kedesh yotsu bechinat biya de igulim tachat igulim de atzilut. Donc en fait ça peut pas au niveau de hak, ça va pas descendre en dessous, enfin quand on regarde par rapport au igulim, ça va pas descendre en dessous parce que la production elle s'arrête ici à ce niveau là parce que il y a les igulim. Ok, moshe katuv shakatav arav le chen lo igiya raglav ad sheigulim. Ok. Donc en fait, il y a plusieurs manières d'expliquer de quel niveau ça parle, ou pas, de quel niveau ça parle pas. Ici, le Rambam il explique que... Toutes ces choses qu'on voit là, en fait, elles sont des enseignements. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui sont contradictoires, mais c'est que apparent, cette contradictoire. Pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont en fait des visions, comme des visions prophétiques, comme des visions de la Merkava, d'accord. Et chacune donne un limoud, un enseignement. C'est pas, ça correspond à ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait expliqué que qu'en réalité, quand on parle de tout ça, il n'y a rien là-haut, les maasé. Ouais. Mais tout ça, ce sont en fin de compte des symboles qui permettent de montrer quelque chose, d'enseigner quelque chose. Mais toutes ces visions, il peut y avoir des visions qui sont apparemment contradictoires, mais elles ne le sont pas en fait, parce que ce sont des enseignements différents.
Peut-être ça veut nous expliquer quelque chose sur la anaga à un certain moment, ou sur une autre anaga à d'autres moments. Mais encore, il va falloir... En fait, si tu veux, ce qu'il faut, c'est arriver à décoder. Donc, Peter Yud Gimel, le Rambam dit « Sod atmunot marim advarim lefi teva atmuna aile mata mamash » Les tmunot, c'est-à-dire les images qu'on voit dans la prophétie ou qu'on voit dans les soirées de Kabbalah, puisque la Kabbalah, c'est une forme de prophétie, d'une certaine manière, eh bien, les images, elles sont à l'image de ce qu'on avait expliqué l'autre fois, elles sont l'expression, dans un certain plan, de leur shoresh. Veigul mare, alors, ici, il donne d'ailleurs une clé, il dit, Aigul mare anagat sovevet, le cercle, il représente, il montre, il enseigne sur une anaga qui tourne, c'est-à-dire qui entoure. Belo chiluk anaga chesedin verachamim. Donc il n'y a pas réellement de différence entre chesedin et verachamim. C'est une anaga klalit, c'est une anaga qui ne fait pas de distinction en fonction du mishpat. Et là, kemo ashgacha klalit. C'est comme une ashgacha klalit. Les filles maout asfirotai. Bien qu'on avait vu que certains Mefarshim expliquent qu'il y a quand même aussi une dimension quelque part de cheder aussi, de chesed din, de rachamim, de trois kavim dedans. Mais ce n'est pas ça du tout le ikar. Veze besod ishtal shelut. Et c'est ça le inyan de l'enchaînement des mondes, d'un cercle qui produit un autre cercle. C'est un rapport causal. Aha yosher mare anagat mefuretet lefi cheder. Par contre, le yosher lui représente la naga telle qu'elle se distribue maintenant et dans les détails en fonction de Chesed Din et Rachamim, Yamin, Smol, Vemtsa. Vechen kol shar tmunot aderer razé. Et en fait, toutes les tmunot aussi, elles sont dans ce derrière, c'est-à-dire dans ce derrière de nous enseigner quelque chose. Zepachut, il te dit, Shakol modia lefi trunat atsura. Imorod ve klalim, imorod pratim, tout. En fait, la forme de la forme qui est donnée ici dans l'image enseigne une certaine anaga. Le fait que tu représentes symboliquement par une droite ou par un cercle, ça vient t'enseigner quelque chose. Mais pas seulement une sorte de cercle, on a vu, bon, il y a aussi les symboles des lettres et les symboles de l'homme. Imit pashtim ve imlo mit pashtim, derrière machal. Konekuda ishoresh or omed le maala sheino mitpashet le mata. Par exemple, le point représente une lumière qui est encore fermée, qui n'a pas encore d'extension. Donc c'est quelque chose qui représente quelque chose, donc une fermeture, un situm. Alors que le cave, une droite, si tu veux, une ligne, un rayon, kol kav ou or amitpashet, ça représente au contraire une avancée de la lumière, un déploiement de la lumière. Et après, il va dire, il faudrait que je retrouve l'endroit, que toutes ces images, en fait, qui peuvent nous apparaître contradictoires, elles ne le sont pas. Chacun vient enseigner sur quelque chose de différent. D'une certaine manière, en faisant ça, hein, le Rambam, il court-circuite un peu une bonne partie de l'approche du Limoud qui consiste à être métarès, les couchottes, en disant ça, ça se trouve à ce degré-là, ça se trouve à ce degré-là, ça se trouve à ce degré-là. Pour lui, c'est évident que ça se trouve dans des degrés différents. Ce qui est important, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce que ça vient nous enseigner de différent. D'accord. Ça, c'est l'approche du Rambam qui a plus accès sur ce que représente la chose. C'est-à-dire sur le nimshal plus que sur le machal. En vérité, dire ça, c'est un peu... C'est vrai, mais en même temps, les autres aussi, évidemment, les autres Mekoubalim aussi, derrière ce limoud qui parfois a l'air un peu technique, pour essayer d'être métarets, comme on l'a vu un tout petit peu là dans le Torah Trimpam. En réalité, derrière ça, eux, ils avaient cette connaissance de ce que ça représente.
tout ça, c'est des différences dans le dmout, dans l'apparence des choses. L'apparence, elle est là pour exprimer quelque chose. C'est une source d'enseignement. Il ne faut pas se tromper entre c'est comme si tu veux, c'est un peu comme si tu parce que c'est très important parce que c'est un klal dans les mots de la Kabbalah. En tout cas, c'est un klal que le Rampral met en avant. Certains, ils sont pas forcément tellement d'accord sur cette approche, mais au fond, sur le fond, si c'est comme si à un moment, on va te dire c'est comme ça, à un moment, ça va te dire c'est comme ça. Le cave, il descend jusque-là ou il descend jusque-là. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais en fait, ce dont tu es en train de parler, tu ne parles pas du cave, en fait. Tu parles de la représentation, à travers d'une image, de quelque chose qui est au-delà même de tout ça. Le symbole n'est pas par hasard, parce que l'idée de cave représente cette force-là. Mais c'est au-delà. C'est un peu comme si, et l'image, pour donner un autre symbole, qui n'est pas tout à fait juste, mais ça pourrait illustrer, c'est comme si tu n'es pas en train de parler du terrain, mais tu es en train de parler de la carte qui représente le terrain. Mais dans une carte qui représente le terrain, bah, tu peux faire une carte routière, ou tu peux faire une carte au contraire qui te donne le volume des choses et la hauteur, une carte topographique pour l'armée ou pour des constructeurs. Suivant le type de carte, l'information que tu veux transmettre au travers de ton plan, de ton dessin, ben, ça ne va pas ressortir la même carte. D'accord ? Un, tu vas croire que la route, elle fait comme ça, à un moment, tu vas la voir comme ça, mais en fait, parce que un, on te l'a dessiné en 2D, l'autre en 3D, je te donne un exemple, ou parce qu'on a mis en relief, donc tu as l'impression que c'est plus court, c'est moins court. Mais en fait, c'est vrai que ce sont deux cartes qui sont différentes, mais qui parlent du même terrain. Sauf que l'information que tu veux donner, c'est pas la même. Ben, c'est un peu la même chose. Quand en fin de compte, des fois, le vrai fondement des contradictions qu'il y a dans la Kabbalah, il est basé sur ça, sur cette idée que, en fonction des représentations qu'on est en train de donner, on est en train d'amener une information à chaque fois différente. Maintenant, beaucoup de Mekoubalim ne vont pas dire ça et s'en tenir à ça. Ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne, toutes ces images ensemble, les faire fonctionner. Effectivement, ils vont dire, cette image-là, c'est quand on la voyait, par exemple, dans le niveau de Hatzilut. Alors, c'est vrai qu'on parlait de Abiya, mais c'était Abiya de Hatzilut. C'était pas Abiya Klalim, ou bien, comme on a vu dans le Torah Tracham. Ou bien, on pourra le voir aussi, on va voir plus loin, qu'il y a une structure des Sphirot Be'orer, en hauteur, et une BOV en largeur. Donc, un jour, tu pourras aussi parfois répondre, dire, mais non, cette vision qu'on a là, c'est dans le horaire, et ça, c'est dans la OV. D'accord ? Donc ça peut être aussi des choses. Alors, maintenant, on va revenir au Unyan, mais c'était une parenthèse qui était importante de faire, parce que voilà, d'abord, parce qu'il y avait une contradiction qui était comme ça, et on voit, par exemple, tu vois, la Got Bio, une restante sérieuse, il n'est pas rentré. Et le Rampral sur ce même point, mais je n'ai pas retrouvé exactement la ligne, mais il dit que, justement, c'est deux enseignements différents. Et puis, on a vu plusieurs Mefarshim qui sont Métarétsim en disant que, effectivement, si tu veux qu'ils traduisent en fait la même idée que le Rampral qui dit que c'est deux enseignements différents, en te disant que c'est deux niveaux différents. Ou deux moments différents, par exemple. Des fois, tu diras, ah, bah, ça c'était avant le Tikkun, ça c'est après le Tikkun. C'est pour apprendre deux choses différentes. Et à chaque fois, en fait, chaque point est un limoud. Ok. Alors après, bon, il faut apprendre à décoder, parce que ça représente aussi bien au niveau de la naga, c'est-à-dire de la direction du monde et de la construction du monde au niveau cosmique, si tu veux, qu'au niveau de la avoda.
Là, on tombe dans quelque chose qui est plus déjà dans le décodage racidique des choses. Donc viens, on reprend. Je reprends tout depuis le début. Rishana, kola ensof borchu makif kola ilamos vegam ou mukaf mehem. Donc le ensof, il entoure tous les mondes. Il est entouré par tous les mondes parce qu'il traverse le kaf. Ou mitlabesh betocham atsof olam atzilut, il s'habille jusqu'à la fin du olam atzilut veino negia vedabuk zulati be ilom atzilut, mais ça ne descend pas plus bas qu'atzilut levad velo bebiya velachen misham ulmata ishtane maoutam veikreu biya. C'est ça d'ailleurs qui fait que puisque le cave ne descend pas plus bas, après ça s'appelle un monde créé, Bria, Yetzira, Siya, qui représente trois niveaux de création. Alors qu'avant, on est encore dans l'émanation de quelque chose de divin. Mais encore une fois, par exemple, on va voir d'autres enseignements, on voit que la Pnimiut à l'intérieur de ces Bria, Yetzira, Siya, ils sont pleins de Sphirot, qui sont eux-mêmes Elokut. Donc ça dépendra à quel niveau on regarde, comment on regarde, si on regarde l'extérieur, si on regarde l'intérieur. Mais comme l'extérieur, c'est déjà dans la création, c'est de l'ordre de la création, et pourquoi on les appelle des mondes créés, et on les, en fait, tout ça, c'est parce que effectivement, le Kav et le Kout, il ne descend pas en eux. Arbechinat amakif, davuk venogea bechol arba abia. Par contre, le côté qui est makif, lui, il entoure tout. Il entoure tout parce que effectivement, c'est sa fonction d'être sauveur. Maintenant, regarde la Hagot à Biorim Gimal. Il dit Arbebechinat Amakif Matsati Katouf Bektaviad. Qu'est-ce que ça veut dire ce or qui entoure tous les mondes et qui touche tous les mondes? Comment il touche tous les mondes? Et s'il est tout autour, il ne touche pas tous les mondes. Il entoure tous les mondes, d'accord, mais. Mais tu pourrais dire aussi. Il entoure chacun, non? Alors, comment il entoure chacun? Parce qu'il entoure chacun hein, personnellement, c'est ce qu'on va voir. Ratzelomar, ouais. Voilà, Ratzelomar, Bebechinat a Ensof Asher Nirnas Torhaigulim. C'est ce que tu veux dire. Bebechinat Zonugea Ensof Gambebia. Parce qu'effectivement, c'est le Kav Ensof, il est aussi à l'intérieur du Igul, puisqu'on a vu que la lumière du Kav, elle était mise pachetet à l'intérieur de chaque Igul. Donc de ce point de vue-là, c'est pas simplement le cercle le plus extérieur du Ensof qui entoure tous les mondes, c'est qu'en fait, c'est effectivement tous les cercles sont pleins du Ensof, et du coup, ils entourent aussi directement, même jusqu'au la mode de Bria Yetzira. Ok. Donc, du point de vue immanent, du point de vue de l'intérieur, la lumière du Ensof, elle n'est pas directement là au niveau du cave. On en a une aéra ou même aéra des aéra quand on rentrera plus, un peu plus dans les détails. Mais par contre, du point de vue de Sovev, le Ensof il est partout. Alors, ce qu'il y a, c'est que le Ensof, sa définition, c'est que juste le Sovev, c'est qu'il est justement transcendant. C'est-à-dire que quelque chose qu'on ne perçoit pas. Il est partout, mais on ne le voit pas. Alors que le Kav qui est à l'intérieur, Pnimi, il n'est pas partout, mais pourtant lui, on en a plus conscience, puisque c'est lui la Chayut de Kola Olamot, de Bifni. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que dans notre Avoda, nous, on essaye de connecter avec le Kav, et d'aller puiser la chayout dans la Torah, faire le descend de la Torah par ce cave, dans le Yeshar, pour qu'on soit dans le Yeshar, c'est les Mourin, c'est les Midot, c'est là on est dans le Cheder, et c'est Dinra Hamim, il faut trouver un Seder, d'accord. Par contre, c'est qu'une Aéra des Aéra. On a vu Aéra pour l'instant, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Dans notre Drushim chassidique, on va voir que c'est en fait qu'un rayonnement du rayonnement. Au niveau du monde d'en bas.
Mais en tout cas, hein, par contre, il y a autre chose dont on ne voit pas la lumière, mais qui lui est là. Et le Yichud Kutcha Brichu Shrinte, qu'on doit arriver à faire, consiste à unifier ces deux choses. C'est-à-dire vivre avec cette double dimension. À la fois, une Emouna Shlema que j'aime beaucoup, il est partout, qui se transcende tout, qu'il est très proche de nous, que le Ensof, il est là derrière la Teva qui est Bia. En fait, toute cette Teva, elle est remplie du Ensof à Sovef, puisque les Goulim, ils ont tout partout. Pénètre tout d'une certaine manière. Ça, c'est un aspect, il faut avoir cet Emouna Shlema. Et d'un autre côté, une avoda de Mishpat, une avoda de faire descendre les mochines, de révéler la lumière du cave, ou le rayonnement de la lumière du cave, c'est de faire descendre pour qu'il se révèle dans le monde. Quand on unifie ces deux choses, c'est là qu'on arrive au Yichud Hashem, c'est-à-dire qu'on a à la fois le côté du Da'at, qui est donné par le Kav, qui est la Vodata Mouchin, Maïn Nougvin et Mouchin, c'est-à-dire on fait des efforts et on fait descendre la compréhension, la Sevenishma, l'union de Aliatman et Mouchin. Et d'un autre côté, la Emouna Pshuta, le Bitoul Gamour, dans la confiance qu'on a que Hachem il est dans tout ce qui existe et dans tout ce qu'on fait. Il faut arriver avec ces deux choses-là. Parce que si tu es rien que dans le bitoul, tu penses bien qu'Hachem, ok, tu es rien qu'Hachem, mais au bout d'un moment, tu vas te casser la figure. Parce que tu ne structures pas le Birkinat Yosher, tu ne structures pas le Cheder, le Izun, l'équilibre entre Chesed et Din. Et donc, si tu es que dans le Yosher, c'est bien, mais tu ne peux pas révéler la lumière infinie non plus complètement parce que il te manque ce côté absolu qui est là derrière. Et ce côté absolu, qui dépend pas de toi. Et qui dépend pas de toi, dont la seule, à la limite, la seule avoda que tu peux faire, c'est une avoda de Emouna. C'est pour ça que finalement, les Goulim, c'est surtout une avoda de Emouna. Alors que le Yosher, c'est déjà plus, c'est le roi. C'est Birkinat Da'at. Dans la Emouna, c'est qu'Hachem, il peut tout. Il n'y a pas de limite. Ah, c'est vrai qu'il y a des limites inhérentes à chaque monde. Et quand tu es dans Boya, Yitzhak, Asiya, alors c'est limité par le niveau existentiel de Asiya, de Boya, etc. Mais en même temps, la Emouna est que derrière tout ça, il n'y a rien que le Rensof. Ok. Alors, Bechinat Amakif, Davouk Venodea, Bechol Arba Abia. Là, ça touche les quatre mondes. D'ailleurs, la note 4 d'Alet dans la Gare de Birouim, il y a Bia, hein, que ça, c'est une Gare Bechol Abia, il dit Pirouj, qui magique à tout, les îles, Béchar Aleph, Perek Aleph, donc au tout début, des Hak, Mémalé, Beigoul, Veyosher, Shelo, Kolamakom, Achalal, Veavir, Apanoui. Que Adam Kadman, il remplit tout le cercle, qui est le Avir Kadman et Panoui, chez Betor, Hak, Ve Omnam, Verver un panou chez Betorahak, ok. Vomnam, Nishar, Makom, Panoui. Il y a quand même un or panoui. C'est pas chez Betorahak, c'est Betorahalal, non? Bizarre, c'est bon. Vomnam, Nishar, Makom, Panoui.
Ben or makif shel or yosher shebo el a kelim ve or pani ve or pnimi de yosher shebo. Tu te rappelles? Où est-ce qu'il est l'espace de Hatsilut, Briya et Sirasiya? Il vient se nicher au niveau de Nehi, entre la lumière makif du yosher et le keli du yosher. Le keli qui contient aussi son orpnimi, comme il dit ici. La kelim ve orpnimi de yosher. C'est bon. Mais sham nitavu venetzlu kol amot. Ashakulam nitalim venechazim bazak. Donc de là, tous les mondes, le monde comprend Abia, mais pas seulement Abia en fait, même les étapes qui précèdent, comme, en tout cas, bon, on va dire Abia pour l'instant, comme les Koudim, mais en tout cas, le Abia, Nechazim Bazéak, Umimeno, Yatsa, Yatsu, Nimsa Bazé, Debechina Tamakif de Yosher de Ak, ou Amakif et Davouk, Venogea, Bechol Arba Olamot Bia. Donc il te dit ici, tu peux le voir comme ça, c'est-à-dire que le or, tu peux le voir pas simplement comme le or des Igoulim, comme on avait compris avant, ce qui était juste, mais tu peux le voir aussi comme le or makif du Yosher. Mais comme on l'a vu, que le or makif du Yosher ressemble grandement au Igoulim, puisque lui-même c'est une espèce de cercle qui est à l'intérieur des Igoulim, de chaque niveau. Et finalement, le or makif, on le voit comme un cercle aussi. Vendavar Kusalo. Et ça, c'était l'avis du Shemin Sassan. Ok. Ouais. Vetrila mitachem mu bemsaut be emsaato a kaniska betikun tikun alef daf kuf la même bête. Au bebechinas yoto shniyot leensof. Nikra Adam de Bria. Pourquoi on l'appelle Bria? Pourquoi on l'appelle Adam de Bria, ce Adam Kadmon? S'il est Adam Kadmon, il est premier. Il est surtout pas une créature. C'est pas une création. C'est aberrant. On est avant Atzilut. Mais en réalité, justement, Imshi ou Kodem Atzilut, bien qu'il soit avant Atzilut, Gam. Alors pourquoi hein? Pourquoi on avait vu ça? Parce qu'en fait, il est la première création sans grand du monde. C'est la première chose qui apparaît véritablement. Bien que ce soit une suprême émanation. Comme lui, il est finalement... Il vient... Adam Kadmon, il vient comme une deuxième étape après le cave, ce qu'il est en train de te dire ici. C'est comme si le cave avait produit une créature. Bien sûr, on a des surotes qui sont complètement divines. C'est pas vrai que c'est une créature, mais c'est comme si c'est quelque chose qui a été créé par le cave. Donc on l'appelle Adam des brillants. Gam nirmaz Adam ze beparashat pekoudé. D'Afra, Rassar, Bemahama, Amarabishmon, Arimat, Yale, Betzlutin, Leila, Bechoule, j'ai élevé mes mains dans la prière. Tet et Khalin, ça c'est un passage qui est Tsum, extraordinaire, je vais écrire beaucoup là-dessus. Tet et Khalin, Bechoule, Kuleu, Ikrun, Ensof, Atkaneshono. En fait, dans ce niveau le plus élevé, du cave se trouve 9 palais et plusieurs il y a beaucoup d'interprétations sur ce zohar qui disait à Adam Kalun Miyuz Furoz Vekulun Ikra Ensof. Après, il lui fait monter à un niveau très très élevé. Mais Vekulun Ikra Ensof Be Erer Oilama Atzilut chez les Matar Imano. Donc, tout ça c'est dans les premiers niveaux de Adam Kadmon et même avant d'après certains. Et bien en fait, c'est donc avant le Olama Atzilut. Et du coup, il s'appelle, c'est Olama, il s'appelle Olam Ein Sof. Olam Ein Sof, c'est un peu une contradiction parce que le Ein Sof, comment tu peux dire que c'est un monde? Mais malgré tout, ce sont des mondes qui sont tellement élevés et qui dépassent la Hatzilut qu'on les appelle des mondes du Ein Sof. Ils sont trop. C'est des mondes qui font un avec le Ein Sof d'une manière extraordinaire.
וזה האק נחלק לאלפים ולרבבות עולמות, בתחילת התחלקותו הם ארבע עולמות, הנקרא ראייה, שמיעה, ריח, ריחה, ici, דיבור. הנזכר בתיקונים, תיקון עין. דרני תיקון, או תיקון עין, לבא, on mentionne quatre niveaux de sens qui viennent qui sont la vision, l'audition, l'odorat et la parole. La parole plus que le goût ici, c'est intéressant. Eh bien, ces quatre niveaux-là, en fait, ils vont aussi apparaître à partir d'Adam Kadmon. Ou même Mitralkin, Oilamot, les Enkets, mais à partir de ces quatre niveaux, il y a plein de mondes qui vont apparaître. Qui vont être à l'infini. Et là, Bechinat Nirmezet, Bemamar Pekoudé Anal, Aniskar Laïn, Lemevin. Vekolelou à Bechinat, pardon, Nirmaz, Bemamar Pekoudé Anal. Effectivement, là-bas, on peut retrouver ces quatre aspects. Donc, en fin de compte, l'explication Pachout de ce Mahamar qui est Satoum dans Dir Bamawan, c'est de dire. Que ça correspond en fin de compte à la production d'Adam Kadmon qui est même encore avant Atzilut. Ouais. On parle de un remède sur les yeux d'Adam Kadmon, sur le nez, etc. Mais en fait, c'est un niveau qui est donc avant Atzilut. Vezé à Adam, Nirmaz, Bekotso, Shelyud. Donc tout ce niveau de Adam Kadmon qui est celui du monde. Du monde d'en haut, etc., il est représenté par le code Sheliud de Shemavaya, Bechinat Keter, Kiyu Bechinat HaKeter, Shel Klalut HaOlamot, donc Ak, il est vu comme le Keter de la Klalut, alors que Atzilut sera Chochma, et que Bria sera Bina, et que les Vav Ketzavot, c'est-à-dire Za, sera Yetzira, et que la Malkut sera Sir. וזה אדם נרמז בקוצו של יהוד בשם הוויה, כי הוא בחינס הקטר של כללוס אילמוס, ואור אין סוף בכוח התלבשותו, בחוכמה דאק, זה. אל אור אין סוף, היא דסן, היא סבי, דונא פרמטון, דונא חוכמה דאק. זה פסאז' איסי, אלא הייתי בקור ופרי פרלון מועזקן, דווקא זה פסאז' בישראל, דוד קצי, בדמור, où là-bas il explique que le Inyan finalement c'est d'arriver jusqu'à remonter jusqu'à Chochma Deak. Parce que Chochma Deak, c'est là-bas qu'on retrouve le Kav, à proprement parler, du Haut. Et là-bas dans Chochma Deak, si elle va transmettre la lumière ensuite du Haut Ensof, c'est-à-dire que pour ça, il faut qu'elle soit complètement battelle. Le Bitoul de la Chochma devant Elokut, devant le Oren Sof du Kav, c'est un bitoul qui doit être complet. Et donc, pour nous, c'est un modèle, en même temps, de la notion de bitoul. Le bitoul, si on veut arriver à un bitoul gamour, en fin de compte, c'est le bitoul de Chochma Deak, puisque c'est dans Chochma Deak qu'il y a la connexion avec le Kav. Vezé à Adam, Nirmaz Bekotso Shelyud, je reprends... des Shema Vaya qui ou Bechinat Aketer Shel Kelut Aïlamaz Be Or Ensof Be Koar Et Lapshuto Be Chokma De Akze. Une fois qu'il a été, il est rentré ce Kav dans la Chokma de Ak, c'est à partir de là qu'il va commencer à créer, ou plus exactement d'abord à émaner, le premier mot monde, c'est Olam Atzilut. C'est-à-dire que la Atzilut, elle vient du Kav, elle vient du Ensof, lorsqu'il s'habille dans Chokma De Ak. Mais en fin de compte, ce cave va continuer. Ici, le tartaf, olam, atzilut, vezé, sot, kulam, bechokma, asita. Tu les as toutes fait, bechokma. Donc, cet asiya ici, c'est abiya. Abiya, même atzilut, est vu comme une asiya. C'est le tania là, de cette semaine. C'est pas ça. De la Chochma Anal, Nit Lapshat, Be Malchut Deak. Pourquoi on a utilisé Asiya ici et pas Bria ou Yitzia ? Parce que le pasouk qui dit Kulam Be Chochma Asita, parce que pour Akadosh Baruch Hu, sa Chochma et sa Asiya, c'est une seule chose. Dès qu'il pense, il fait. Ouais.
Donc finalement, dès parce que c'est le... tout vient de ce cave. Le cave, c'est Lorenzo, donc c'est Dieu. Je comprends, mais c'est quoi la différence entre Kulam Chachma Sita ou Kulam Chachma Barata, disons. Ah si, ah, ça veut dire c'est la réalisation concrète de la chose. La concrétisation. Donc dès que le cave il est là dans Chochma de Hak, parce que pour Hachem, c'est tout en un seul instant en fait. Il n'y a pas de différence entre ce qu'il veut et ce qu'il va avoir. Ensuite, cette Chochma, elle s'habille dans Malchut de Hak. Dans la Gotu Biburim, il dit Ak qui a sia le gabé à Olam, ou avec la correction, qui gabé à Olamot. Le monde d'Adam Kadmon, il est vu comme un Olam à Assia. Parce que, enfin, par rapport au câble, en fin de compte. Vézé Malchut Yardam et Tlabesh Besot. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, la Chochma de Hak, elle s'habille. Dans Malchut de Hak, parce qu'il y a un principe, c'est que la pnimut de la Malchut, c'est Chochma, c'est Abba. Besod Abba Yassad Barata, c'est le père qui soutient la fille, comme c'est marqué dans les Mekorot, dans le Zohar et dans Sefer Abahir, où on parle du roi avec la fille, le roi étant la Chochma et la fille étant la Malchut. Vezesod à Malchut Yerda Venit Lavshad Besod Zatshela. Ensuite, l'étape d'après, c'est que cette malroute, plus exactement, les Sheva Tartanot de cette malroute, c'est eux qui vont ensuite s'habiller dans Atzilut. Ce qu'on appelle les Sheva Tartanot de malroute de Hak, ça prend un autre nom aussi, ça s'appelle Atikyomin. Non, les gars, c'est la Radla. Parce que les ats de Malchut de Hak, eux, ils s'habillent dans Arirampin de Hatzilut. Ils en deviennent la Pnimut. Les Esod à Malchut, Yarda, Venit Lavsha, Besod, Sheva Surot Shela, Tor Yud Surot de Ilam Hatzilut. Et ici même, ça, on voit que Hatik descend en fait dans toute la structure de Hatzilut. Mais Azé, Kédé, parce que. Mais tout en s'habillant dans Arir, parce qu'Arir aussi descend dans la structure de Tzilut. Mais Azé, Kédé, les cachères Ak, Beolam, Atzilut, Vaderze, Bechol, Olam. Et ça, c'était effectivement pour attacher Ak avec Atzilut. C'est-à-dire, ce qui permet d'attacher Ak avec Atzilut, c'est les Sheva Tartanot de Malchut de Ak, c'est-à-dire la partie inférieure de la Malchut de Ak, qui s'habille à l'intérieur du Olam Hatzilut, c'est ça qui fait ce Kesher. Donc c'est ça la notion ici de Atik Yamin, je vais l'expliquer après. Valderzi bechol olam veolam. Donc tu as la même chose par exemple entre Malchut de Hatzilut et Bria. Sauf que ici ça va s'appeler Atik de Bria. D'accord. Verosh zo a Malchut shehem gar sheba nisharu bimkomam. Par contre les gars qu'on va appeler plus tard la Radla, eux, ils restent à leur place, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans l'Atzilut. C'est quelque chose, c'est un niveau qui est au-dessus d'Atzilut, qui reste dans Malchut de Hak. Ça veut dire qu'on passe à un niveau supérieur. Ouais, ouais. C'est un passant paratique. Ouais. Les gares, elles représentent un niveau qui est toujours au-dessus de tout ce qu'on peut comprendre. C'est un Bechina Densof, par rapport au monde d'en bas. Mais en fait, c'est les Shtosha Rishonot de Malchut de Hak. Alors, elle, Sheba Nishar Bimkoma. Vezat Shem, il reprend, par contre, les Sheva Tartanot Shem, Goufa Dila, c'est comme le corps, parce que les Zat, c'est toujours le Gouf, alors que les Gars, c'est toujours le Roche. Donc le Gouf, qui est les Zat, Shem Goufa Dila, Shel Sheva Yeme Bereshit,
Et en même temps, ça correspond aux 7 jours de la création à l'origine. Les 7 jours de la création, ce sont les 7 sphères de Tikkunim. Eh bien, M. Nitlavshu Beyud Sphiros de Hatzilut, c'est elle qui s'habille dans la Hatzilut, même dans toutes les 10 sphérotes, puis ça descend jusqu'en bas. Vezea Bechinat Nikra Atikyomin. Cette Bechina-là s'appelle Atikyomin, chez M. Sheva Yamin. Ou Yamim Atikim Mina Malchut. Ce sont en fait les 7 jours ou les 7 séphirotes qui sont transmises ou reproduites par la Malchut, des Hak, Ve Azad Nichlakim, les Yud Sphirot. Et en fait, ces 7, elles se divisent en 10, puisqu'elles vont s'habiller dans les 10 Sphirot. Kirishona, Klula, Mishlosha, Alderer, Echal, Kodesh, Akodashim, chez Kolel, Gimel. Donc c'est vrai que c'est 7 sphirotes de Hatikyomim, mais tu peux le voir comme 10, comme on explique ça sur les 7 palais qui sont en correspondance avec les 10 sphirotes. Pourquoi on parle de 7 palais? Il fallait parler de 10 palais. 10 Echalot. Pourquoi tu parles toujours de 7 palais? Parce que dans les Echalot, le Echal le plus élevé, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Echal Kodesh HaKodashim, il est collé 3 sphirotes, ouais, qui sont Keter Chochma Bina. Bon, comment on voit. Ici aussi, la première sphère de Hatik, en fait, elle va inclure, en quelque sorte, les gares à son niveau. Shoyime Hatikin mina malchut de Hak ve Azad, nirgne yud sphérot ki rishona kalul mishlosha alderer echal kodesh ekosim jikolel gimel. Veze Hatik na ase neshama le harir, et devient l'âme de harir, c'est-à-dire la petite minute de harir, shu keter de Hatzilut. Mais de même, Harir aussi descend dans les 9 autres sphérotes. C'est Keter, mais Keter est à l'intérieur des autres sphérotes. Et donc, puisqu'à l'intérieur, il y a Atik, qui est à l'intérieur de Harir, eh bien, finalement, Atik aussi va s'épancher donc, dans les 10 sphérotes de Hatzilut. Donc, dans le Keter, plus dans les 9 autres. Ve'or ensof tor à Atik. Et à l'intérieur de ce Atik, pourquoi l'intérieur de ce Hatik? Parce qu'on a vu que dans Hatik, c'est donc une Bechinat Malchut, mais Malchut, elle contient à l'intérieur Chochma, qui contient à l'intérieur le Kav. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut dire Tor-Tor. Ouais, par rapport, évidemment, on parle par rapport à la Tzilut qui va venir après, c'est comme ça. Hatik Veharir Malbish Lazé Atik. Non, pardon, Tora Atik, point. Veharir Anpin Malbish Lezat Lazé Atik Verhouf de Hatzilut Malbishim Le Ava Le Harir Anpin. Donc après, comment ça marche? Harir, lui, il habille donc Atik, en fait, c'est-à-dire les Shevat Tartonet de Malchut de Hak, qu'on appelle Atik, il les habille. Avec la première sphira qui correspond à 3, etc. Après ça, tu as Rouf de Hatzilut. On descend un niveau plus bas. Ça, pour l'instant, c'était Keter de Hatzilut, à rire. Ben, les Rouf, Rochma, Binot de Hatzilut, eux, ils vont recouvrir à rire. Mais ils vont recouvrir à rire. Malbishim, les à rire. Azad, Shelo, les Vad. Mais par contre, ils vont être uniquement sur la partie inférieure de à rire. La tête de Harir, elle est mégoulée. Alderer, Anal, Vénikriou, Ava, Veima. Et là, on les appelle Ava, Veima. Alors, ça va dépendre des Malsavines. Des fois, ils seront juste, ils seront pas sur toute la longueur. Des fois, ils seront sur toute la longueur. Des fois, on le verra autrement encore. Veza, ou Vav, Sphirot, Deatsilut, Malbish, les Ava, Veima, et Zat, Shelaem. Tu vois le truc? Vekol, Ketse, Utsura, Vav, Vem, Vak, Tsura Vav, M Vak, Vav par M Vav, Gematria, et les. En fait, si tu fais. Donc, ça fait 6 x 6, puisque tu as 6 firotes et qui en produit 6. C'est-à-dire. C'est, on peut le voir comme Vav x Vav, si tu veux. Ça fait Gematria, et les. Soit 36, ou ba'em mitlabesh abina anikra mi. Menase elokim mi bara ele.
C'est marqué dans le Zohar que Urum Ibara Ele, c'est la Bina en réalité qui s'habille ici dans les Vav Ketsavot. Penugva Deza ou Amalchut. Maintenant, la dernière sphère, enfin, donc c'est la Malchut qu'on appelle aussi Nugva Deza. Malchut de Hatzilut, Malbeshet le Azat, Zat Shelo. C'est donc dans la partie aussi inférieure à chaque fois du partout d'avant, c'est-à-dire de Za. Besod Nekava Tesovev Gaver. Ou Beat Azivuk Shave I Elav Panim Bepanim. Le Daï basé, parce qu'en fin de compte, tout ça, on va le reprendre beaucoup plus en détail plus tard. Puisqu'au moment du Zivug, elle remonte, il y a plusieurs Matsavim de la Malchut. D'abord Be'achor, ensuite Bepanim, sept Matsavim différents, jusqu'à ce qu'elle peut arriver à un Zivug Panim Bepanim. Enfin, pas jusqu'à, parce que ça fait partie des étapes aussi. Aré, Keshena Arir, Bedea Yetera, Nimsa Iyot, Kol Kumat Malchut Shiyu, Svira Achat, Levad, Be'er, Klalut, Kol Aramut, Datsimut. Maintenant, si tu regardes de manière générale, tu vois que Malchut, c'est rien qu'une Svira. Veza ou Vav Ketsavot Shel Klalut, Im Shiyu, Be'atsmo, Yit Svirot. En vérité, c'est 10 Svirot, ça, mais c'est 10 Svirot qui couvrent 6 Svirot de la Klalut. De la Klalut, de Arir, en fait, c'est la Klalut. De Hatzilut. Verva ima gevoim memeno, verosh aketer gavoa mealeim. Donc à chaque fois, tu as la tête qui ressort. Donc c'est comme des cylindres, mais qui ne sont pas complètement couverts. Omnam, ragle kulam, shavim. Mais par contre, les pieds de tous ces partsoufim, ils arrivent au même endroit. Atsof Hatzilut, ragle atik, verragle arir, verragle avaveima, verragle zun, berosham, zelema alamise. Beofen qui yukula melubashim zet malbush blazé, zet malbush blazé, veatik sheu malchut de ak, ou betocho chokma de ak. Donc en fin de compte, tout ça, ça descend au même endroit, qu'on avait vu les igulim de Atik, ouais. Avec la fameuse question qu'on avait déjà vue, que pour Abba Veima, c'est pas toujours pareil, ils descendent pas toujours jusqu'en bas, et ce qui ramène le tsema, afalpish et Abba Veima, à Tibouro des Attiques, ils descendent pas plus bas que le Tibour de Attique, ils sont juste sur la partie supérieure, pardon, pas de Attique, de Harir. Im kolze, que chez M, it pashtim, bene, ishe, la M, malgré tout, quand ils se déploient dans leur surette inférieure qui s'appelle Nei, les Kaveza, iné, askula magim, les karka al silut, ve gam, sham, gam sham, shne pirke de Attique, tataim, bene, im, et même parfois, il y aura même les parties inférieures de Netzar Od de Hatik qui vont descendre et traverser, même aller jusque dans Bria. Mais en tout cas, ça c'est juste à un moment spécial, juste au début du Tikkun. Bon, en tout cas, si on reprend l'idée, c'est qui ayukula melubashin ze malbush laze, veze malbush laze. En fait, ils s'habillent tous les uns comme des cercles concentriques, comme des cylindres, comme des gaines cylindriques. Ve'atik, maintenant si on reprend, on regarde ce qui se passe à l'intérieur, eh bien Atik, qui était quoi? Qui était Malchut de Hak, en tout cas on avait vu les Sheva Tartonot de Malchut de Hak, plus exactement, ou Betor, donc ça s'habille aussi dans toute cette Atzilut. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, on a vu dans Malchut de Hak, il y a Chochma de Hak. Et dans Chochma de Hak, Besod Hashem, Besod Hashem Bechorma Yisad Aretz. C'est la même chose aussi que Abba Yesed Barata. C'est un autre passage qui explique la même idée. C'est que Hashem Bechorma Yisad Aretz. La terre qui est la Malchut, elle est fondée par la Chorma. Donc c'est-à-dire que la Pnimut de Malchut, c'est Chorma. Et donc en fin de compte, donc dans Atik et Malchut, il y a Chochma de Hak, il y a la lumière de Chochma de Hak qui brille en tout cas, et dedans il y a le Kav. Si bien que le Kav finalement il descend jusqu'en bas de Hatzilut. D'accord? Besod Hashem Chochma Yesod Arez, Betocho Ainsof Atzmo. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas trouver à l'intérieur de toute cette structure de conduit symbolique? Tu vas trouver le Kav de Ainsof. Kol Shosha Elu Mitlavshin Tor. Aetzilut, Vezé, Nire, Nirmas, Be Hydra, Azinu, Drazan, Ezinu, c'est-à-dire Hydra, Zuta.
d'Afresh Pechet, Zeleshono, Kaditakan, Apik Teshaneowin. Lorsqu'il a fait le Tikkun, il a fait sortir 9 lumières, des latines qui vont briller, Miné, ou Mitikunai, qui vont briller par leur Tikkun. Veinun, ce qu'on voit très bien. En fait, c'est ces 9-là, Sphirot, c'est les 9 Sphirot qui vont faire, qui vont être la matrice, en quelque sorte, de toute la Tzilut. C'est quoi 9 ? Hein ? Pourquoi les 9 ? C'est lesquels les 9 ? C'est ces 9 palais qui sont là dans le Ensof, en quelque sorte, enfin, qui sont dans Adam Kedmon, dans Makhout de Rek. Après, ça dépend comment on va les comprendre. Okay. Il faut les comprendre dans le Malbouche. Mais en tout cas, les Zélechonok qui a dit Taken Afik Tet Ne Urin de Latin Mine Mitikunav Inu Ne Irun Mine Minaran Umitla Bata Umitla Atan Vezdin Umit Pashtin Le Kol Ivar Kebotsina de Mit Pashtin Mina Mine Ne Urin Le Kol Ivar Vinu Ne Urin de Mit Pashtin Kadia Krivun Le Minda L'on, le Shriya, et la Botsina, Bilhudoy, Kar ou Atika Kadisha, Botsina, Ilaïn. Donc tous ces oracles reprennent l'idée que quoi que Atika Kadisha, c'est-à-dire aussi Ariran Pin, Botsina, Ilaïn, Stima de Kol Stimen, Velo, Ashkechana, Kad Inun Neurin, Mitpashtin, Mitgalin, Mitmirin, Inun Ikrun Shema Kadisha. C'est là que ça devient la chaîne de Kevavke. Obiginka, Vekul Ochad. Beofen qui en ikar mikol echad mehem ki im a rachim achen gufa mitlavshin elu tor elu. Donc finalement, on arrive à un point où la seule chose qu'on voit, à chaque fois c'est la partie supérieure, c'est la tête du partouf. Mais la partie inférieure, elle est habillée dedans, sauf évidemment pour le dernier. Achen gufa mitlavshin tor elu ve enam nikarim rak bechinat rachim lechen. Ils appellent des têtes. En fait, quand on parle des têtes, on parle des partsoufim, mais parce que, de ce point de vue-là, on voit que la tête du partsouf, puisque le gouf, il est habillé dans le partsouf d'en dessous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne comprend pas toujours très bien. Vine kol ayus sphiros de Hatsilus, nirklakim et chamisha partsoufim kachavzun. On avait déjà vu, c'est vrai qu'il y a 10 sphirot, mais en fait, on parle de 5 partsoufim, qui sont keter chorma bina, Tiferet ou Malchut, ou Zeranpin et Nouva, deux manières d'appeler la même chose. Qui im kalul mi rema revarim, et ça inclut aussi, on l'a vu dans le Yosher, tout ça, 248 membres, ve'em bekinat arba otiyot avaya, plus le kotso shel yud, donc c'est ce qui est marqué ici, donc les quatre lettres de shem yud kevavke, akolel oilom atzilut levad, ve'im kotso shel yud are em chamisha partsoufim. Il faut rajouter le kotso shel yud. Achen be'erer avaya kolel. Donc du point de vue du Yud Kevav Keklali, qui représente toute la Gital Shemut de tous les Olamot, le Kod Social Yud Seketer, Yud Sviros de Hatsilus, M Yud de Havaya, Anir Mezet Bechorma. Donc c'est quoi maintenant Hatsilus? C'est le Yud du Shemut Kevav Ke qui représente la Chorma. Ouais. Anir Mezet Bechorma, Vehu Hatsilus, Kenoïda, Vecharze, Nishlam, Chut, A Ensof, Bekinas Pnim Yusanal. Et après ça, c'est le Chut Ein Sof, qui est la Pnimiut, qui est vraiment à l'intérieur. Ve'az, Nitava, Aor, Ve'naase, Shem, Massar. À ce moment-là, la lumière, en quelque sorte, elle s'épaissit, elle va faire un écran. Ve'derer, Massar, Yarda, Shem, Amalchut, Datsilut. Et par ce Massar qui vient. Alors, le massar ici, c'est ce qu'on appelle aussi le carca de Hatsilut. C'est-à-dire, c'est l'écran qui est en dessous de Hatsilut. T'as Hatsilut qui contient tous ces partsoufim qui sont concentriques, et à l'intérieur, il y a le cave du Orensof, mais ça s'arrête là. Après ça, c'est plus Hatsilut. Le cave, il ne descend pas plus loin. Il y a juste un reflet de lumière qui traverse. Qui traverse comment? Parce qu'en fait, la Malchut de Hatsilut, elle-même, elle s'habille dans le Keter de Bria. Donc c'est ce qu'on appelle Atik de Bria. Mais Atik de Bria, donc, va transmettre, en quelque sorte, dans le monde d'en dessous,
la lumière du kaf. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus le kaf, ce sera le rayonnement du kaf. Parce qu'il y a un massar. Parce qu'on est arrivé jusqu'au bout de la tzilout. Ouais. Le kaf ne descend pas plus bas que la chorma de Hak, la chorma d'Avak s'habite dans Malchut dans Malchut de Hak, qui devient Atik de la tzilout, et qui ne descend pas plus bas que ça. Au contraire, la lumière, elle s'épaissit. Vénassé, Sham, Massar, donc ça crée un écran. Comment il se constitue cet écran? En tout cas, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un épaississement de la lumière, mais en fait, il faudrait comprendre aussi, parce qu'il y a un système de Hor-Khozer aussi qui fait que ça. C'est comme si la lumière, elle rebondit à ce moment-là. Entre les deux, c'est-à-dire où l'univers s'arrête de passer? Oui, l'écran, il peut pas descendre. Voilà. Donc le cave ne descend pas plus bas que l'Atsilut. Vederer Amasar, Yarda Sham Amalchut d'Atsilut Zat, Shela, Sheba, Vereta Roche, les Shualim. Et maintenant la Malchut de Atsilut, elle descend dans Bria, c'est ça le terme de Roche, les Shualim, la tête des renards, parce que le monde de Bria par rapport à Atsilut, c'est comme un renard par rapport à un lion, d'accord ? Alors qu'avant elle était Zanav, les Ariés, puisque c'était Malchut de Hatzilut, maintenant elle devient Keter de Bria. Donc elle devient Roche, la Shualim. D'accord ? Les Yusvirot de Bria. Vekolze, Achar, Itavuta, Vitlapshuta, Derer, Massar, Anal. Attention, c'est plus le même cave maintenant, c'est la lumière une fois qu'elle s'est épaissie, parce qu'elle a traversé cet écran. Donc c'est un filtre énorme en dessous de Hatzilut qui fait que justement elle rentre dans un monde maintenant de Bria. Ça ne veut pas dire que cette lumière elle reste éloquente, mais puisqu'on voit que les sphirotes elles-mêmes elles vont être éloquentes dans Bria. Mais malgré tout, c'est plus la lumière du kaf, c'est juste le rayonnement, ça s'appelle Aéra. Gamma Bina de Hatzilut, j'aime to or zat shela, le Malchut de Hatzilut, ve yarda derer. À Massar, Vénitlajan, Beyus, Furot, Debria, Vesesod, Bina, Mekanana, Kursaya. Maintenant, il faut savoir que la Bria, la Bina aussi, comme on avait vu la Chorma qui était. Finalement, on avait vu que la Chorma de Hak, c'est elle qui était au cœur de Hatzilut, à travers sa Malchut. Chorma s'habite dans Malchut, qui est dans Hatzilut. Maintenant, ici, c'est pas Chorma, c'est Bina de Hatzilut. Tout à l'heure c'était Chorma de Hak, maintenant c'est Bina de Hatzilut qui vient et qui s'habille dans la Malchut de Hatzilut, qui elle-même, on a vu, rentre dans Bria, dans le Keter de Bria, mais c'est-à-dire en fait elle va s'établir comme, à l'image de ce qu'on avait au-dessus, dans toute la structure de la Bria. Okay. Maintenant, c'est ça ce que le Zohar appelle. Ima mekanenet be kursaya, que la bina, ima ou bina, elle s'installe, elle niche dans le trône, et le trône veut dire le monde de Bria, d'accord, qui est le monde du trône. Gamma mina de atzilut vejetor azachela, be malchu de atzilut veyarda derer amasar. On peut dire aussi que le trône, c'est le Keter de. Non, le mot Kursaya veut dire le Olam Abriya là-bas. C'est l'Av Dafka le Keter. Mais c'est vrai que la Malchut de Hatzilut s'habille dans Keter de Bria. Mais comme Keter de Bria traverse toute la structure de Bria, alors on peut dire qu'elle est mécanénette dans tout Bria. Vezesod. Bina mekanena be kursaya. Le tsemar est dit Bina za malchut mekanenin be bia nidber bimkom acher. Bechinat bina za malchut yoter tartonim minanal. Kan gila bechinat atarton le shoresh be ak. Asmo veze klal de kol ashar shelo nidparchet kan. Oui, il veut dire que ça existe normalement dans un niveau inférieur. Mais bon, c'est ici on le voit au niveau de Adam Kadmon, au départ. Vezesod, Bina, Mekanan, Bekursaya. Velu, Hashevat, Artonot, des Malchut. Maintenant,
C'est Sheva Tartanot de Malchut, de quoi? De Hatzilut, qu'on appelle aussi Attik de Bria. Ouais. Nitavu, les Attik Yomin de Bria. Elles sont devenues Attik Yomin de Bria. Ve Attik Yomin de Bria, Beharir de Bria, Al Sederanal, etc. Comme le Sederanal, comme dans Hatzilut. Ouais. Gam ou Hamisha Parsufim de Bria. Tu peux aussi trouver 5 Parsufim de Bria. Ve Kulam, Bechinat. Edevaya Rishona Beklalut. Parce que le code social Yud Beklalut c'est Ak. Le Yud Beklalut c'est Atzilut. Le E Beklalut c'est Bria. Kolev Kol Olamat. Dans la Klalut de Kol Olamat. Vecharkar Nitparesh. Nefaresh Masar Sheni Veyored Sheva. Après ça. Non, pardon, Nifaresh. Vaharka Nifras Massar Sheni. Il y a un second massar qui va se faire. Où est-ce qu'il va se faire? En dessous de Chazak, en dessous de Malchut de Bria. Veyardou Zad de Malchut de Bria. C'est là-bas qu'ils sont descendus, le Malchut de Bria. Betocham Mitlabesh Or Vag de Zad de Hatzilut. Alors maintenant, pardon. Donc la Malchut de Bria, elle va quelque part traverser maintenant cet écran pour former Attik de Yetzira. Et effectivement, on va voir ici, ouais. Ouetora mitlabesh, or vak des zat, des atzilut. Vinitavu, Berinat et Tikim et Zitzira. C'est-à-dire en fin de compte. Ouais, ici c'est d'Atsilut, mais on aurait pu dire aussi de Boya. Quoi? C'est ce qui. C'est en fait la Agada, la Ga. Justement du Tsema, c'est que d'habitude on dit de Bria. Et ici, je réduisais à la base, c'était pourquoi on disait Tsilut et pas Hak. Mais en fait la question est la même ici, pourquoi est-ce qu'on dit. Non, pardon, pourquoi de là-bas on disait Hak et pas Tsilut, et ici pourquoi on dit Tsilut et pas Bria. L'appel avait répondu. Parce qu'ici on parle du Shoresh dans Hak, mais ici c'est la même chose, on parle du Shoresh dans Hatzilut. Veze Sod, Zam et Kanan, Beitzira. Que Za, il s'installe dans la Yetzira. Veze Atik, ce Atik de quoi? Ce Atik de Yetzira, qui venait de Malchut de Bria. Vezé Atik mitlabesh beharir de Yetzira, il s'habille dans la rue de Yetzira, verkoulé. Atéra nskab bria canal, vegam ou hamisha partsufim de Yetzira, vekoulam, pechinat vav de Havaya. Et c'est ça qui va finalement faire 5 partsufim de Havaya qui sont en relation, dans la clé de Olamot, avec l'être vav de Havaya à kolet kolo ilamos. Vekharkar yordu zat, après ça on va faire la dernière étape pour arriver jusqu'à Sia. Zat, de malchut, de Yetzira ou betochom. Malchut Levada, de Hatzilut. Et on retrouve, on remonte ici. C'est ici on parle du Shoresh. On retrouve le Shoresh de Malchut de Hatzilut. Mitla Bechet, Tor Harir de Asiya, qui s'habille finalement dans Harir de Asiya. Vegam Terer Zema, Sarche Ben Yetzira de Asiya. Tout dans Malchut de Yetzira aussi. Voilà. Avec un écran, après c'est bon. Tu peux remonter comme ça. Mais là, finalement, tu peux remonter ou tu peux. Ici, tu es en train de descendre et dire qu'il y a un massar à la fin de Yetzira qui va créer le Olam Asiya. Vegamze derer massar chez Ben Yetzira le Asiya. Vezesod malchus mekanen abe ofan. Voilà maintenant, c'est quoi? C'est le lien du ofan. Le ofan, c'est le Yetzira. Asiya.
Vinikra aliede atikumin ou mitla bechet tor arir de asia ve akol aderer anal be tsira ve gam em chamisha pasuk mikulam bechinat et tartena de avaya akolet kol ha'olama. Donc là ça va inclure tout le lamot, mais ça va être le et final du tétragramme. Donc finalement on a vu dans ce perek et on fera le perek chini plus tard parce que ce serait dommage de battre. Ok. Que quoi? On a vu déjà c'est un clal qui va revenir très souvent. Donc on a vu cette notion de yud kevavke de tous les olamot de akvabia. On a vu que le kav il descend que jusqu'à Hatsilut. Dans Hatsilut, en fait, pourquoi il descend jusque dans Hatsilut? Parce qu'en fin de compte, au départ, le Kav, il descend seulement dans Chorma de Hak, mais Chorma de Hak s'habille dans Asiya de Hak, dans la Malchut de Hak, elle-même devient Atik Yomin de Hatsilut, et c'est ce qu'on va retrouver après entre Hatsilut et Bria, et entre Bria et Tsira et Asiya. Voilà. Donc à chaque fois, on va voir cet habillage. Mais par rapport au Kav, étant donné que le Kav, il est seulement finalement au niveau de Chorma de Hak, et que Chorma de Hak est au niveau de Malchut de Hak, et que Malchut de Hak, elle descend par la Pnimu jusqu'à Malchut de Hatsilut, finalement, le Kav ne descend pas plus bas que Malchut de Hatsilut. Okay. Même si, il faudra comprendre pourquoi, les spirotes de Bria et Serassia sont des spirotes qui sont de Pnimu Kelokot. On aurait pu dire si c'est l'okout, c'est qu'il y a le cave dedans. Alors, est-ce qu'elles sont l'okout ou elles sont pas l'okout? S'il n'y a pas le cave dedans, comment on peut les appeler l'okout? Ouais, c'est chaud. Maïra, et en même temps, il y a aussi le. Ah, Maïra, ça ne suffit pas pour s'appeler l'okout. Il y a tout le monde, c'est le rassauveur autour, non? Ouais, en mais elle. Même. Elle, c'est des sûres de Pnimi. Les autres, on verra ça aussi. Pour Adonai le Lam, Amen et Amen.